Ok, et bah je crois que ça ressemble à un départ, hein. Rémi, On est prêt. On est chaud. qu'est-ce qu'il te reste à faire avant qu'on y aille là? Alors, ce qu'il me reste à faire, écoute, pas grand-chose, récupérer le sac. Je Ok. récupère mon sac et puis on y va, Ok, ça part, hein. le point GPS est mis. Point GPS, ouais, il faut qu'on trouve un petit Et coin pour voilà. s'engager dans la forêt, hein. Je sais pas Voilà. comment c'est, mais... Je pense qu'on va adopter la machette assez rapidement. Ouais, je Ok. crois aussi. Bon, et bah on vous dit à tout à l'heure, on essaiera de se poser, de se faire un petit point briefing de l'expé pour vous raconter ça. On y va! Tu sais que ton sac il rentre pas en cabine là. Voilà, j'ai installé un truc. On va voir si c'est pratique. Ça. Ok, c'est parti? Allez, on y va. Bye bye! Juste avant, merde. T'inquiète, ça va arriver. C'est la première. La première. Et en fait, ça, Cassie, c'est une petite dédicace pour toi. Au bout de 10 minutes, j'ai craqué mon pantalon. Voilà. Merci, hein. Ça m'a. Tu y es pour rien du tout, c'est moi qui l'ai défoncé. Mais en tout cas, je peux pisser plus facilement. Ça. C'est clair. On va le noter celui-là dans le. Écoute. Ouais. Oh, il est posé là. Méthode à la Nico Mathieu, j'ai de machette. J'ai l'éducation à toi, mec. Là, tu me dois. C'est sympa, je te dis. Je suis pas le mieux, toi. Yeah, boy. Glissade sur le fessier. Une cascade. Let's go. Ça c'est beau, hein. Ça te fait un petit palier là. Il est pas sale, hein. Par contre là tu vois on n'a pas assez de longueur pour descendre jusqu'en bas là.
retrouvailles de la journée. Après, le but c'est juste d'aller voir, on se renseigne. On se renseigne. Wow. T'as pas vu. C'est énorme. T'as rubalisé? Ouais, rubalisé. T'as rubalisé quoi? La rubalise à gauche, à droite, comme ça on sait qu'il faut tracer. C'est bon. Bon. Je peux être ton infirmière si tu veux, Rémi. Je peux être ton infirmière si tu veux. Il t'arrive quoi, gros? Je me suis pris une épine, bon, pas forcément, pas quasiment dans le pied, mais dans la chaussure. Ah oui. Et du coup quand tu mets ta chaussure, ça te rentre dans la peau. Quand je bouge les orteils, ça me pique un petit peu le pied quoi. C'est ça le responsable. Pas de comme. Je sais pas depuis combien de temps là-bas je ne pas faire installer, mais découvert. Il y avait du passage. Non, ouais, il y avait du passage. Trace humaine. Et là, tu découvres que c'est un cadavre. Ok. Là, c'est un peu engagé. On est en train de marcher sur de la pente. Je vais vous prendre sur ma tête que vous puissiez voir un peu. On va suivre Rémi. En fait, on aurait dû passer de l'autre côté. Tu penses à quel moment qu'on va chercher à descendre? Ouais, il faut pas prendre marche, mais on va tranquille. Ok. Et... vas-y. Ah. C'est là qu'on va utiliser la corde. Ça vient en plus. Putain, ça glisse. Ouais, et toi? Putain, regarde ça! Putain! Un putain de toboggan cette pente! C'est un putain de toboggan cette pente! Ok Rémi. On avait dit qu'on le ferait au début de l'expé, mais on va le faire maintenant. Est-ce que
tu peux présenter et introduire ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire là pour les 4 jours à venir. Alors, tu me passes la cam? Ouais. Si tu veux nous cadrer tous les deux. Ouais. Petite introduction. Donc le projet de cette expédition, c'est... Donc on est parti depuis la route de Caux. Le projet, c'est de rejoindre une montagne. Donc là, on est dans les montagnes de Caux, mais notre objectif, c'est de rejoindre une montagne spécifique qui présente un relief, on va dire, très intéressant. Ouais. Et déjà, là, on a été servi en termes de cascade, alors qu'on n'est pas vraiment sur la montagne qu'on souhaite viser. Donc, ouais. Notre objectif à terme, la grosse montagne, je pense qu'elle va nous... Ouais, on a été servi en termes de cascade et en termes de dénivelé, là, on vient de... on vient de souffrir, là. Je vais être honnête, on vient d'en chier. Parce que c'est de la pente qui est comme ça et surtout, ça glisse, quoi. C'est... Ouais, c'est glissant, c'est une patinoire et on sent que ça fait monter le... Le palpitant. Le cardio. Mais bon, ça, Quentin, il est très entraîné au crossfit, donc... En vrai, ouais, on fera une petite c'était encore dans sa zone de confort. On fera une petite dédicace à Yana CrossFit. Pas de... En tout cas, on a hâte de vous ramener des images. Le but aussi, c'est de faire une vidéo de cette expédition. Donc, depuis ce matin, on filme, on fait des photos. On a même fait voler le drone dans les cascades tout à l'heure. Hein. Point A, route de Caux, point B, cette fameuse montagne. Et là, bah, on... On passe par différentes péripéties, quoi. Ouais, par différentes périodes de battements cardiaques aussi. De palpitant. Ouais. Mais c'est ça qu'on aime. Mais à la fin, je pense c'est ça qu'on aime rechercher, c'est clair. Ouais, c'est ça qu'on recherche. Et à la fin, je pense qu'on on sera satisfait de notre expédition. Si on peut faire expédition. Voyager les gens par procuration en faisant cette aventure, bah, on est trop chaud. C'est que du plus. C'est que du plaisir. On en Chine, voilà. C'est que du plaisir. Qu'est-ce okay. qu'on a d'autre à dire? Je pense qu'on peut s'arrêter là et puis ouais. On fera un point ce soir au campement. La fameuse transition. Ouais. Alors, petite trouvaille, petite technique spécifique au milieu amazonien. Comment remettre son sac? C'est surtout quand le sac est lourd, tu viens le positionner avant. Mais j'ai l'impression que les gamins ils faisaient ça à l'école avec leur cartable. Tu installes ton sac, tu le verrouilles. Et là, on active un peu les quadriceps. Voilà. C'est ça. Allez. Vas-y, je pose rapidement, tu vois. Histoire de. Ouais, histoire de gagner du temps, quoi. Puisque. Ouais, premier petit bobo, je me suis cassé la gueule là. Ça va? Je me suis écorché un peu, mais ça va, c'est rien. J'ai peur pour le petit doigt, tu vois. Ah merde. Heureusement, le petit doigt, il a survécu. J'ai tapé dans une roche comme ça. Il faut être prudent. Hein. Ouais, bah c'est la fin. Et... Ouais, on a envie d'arriver aussi. Ouais, c'était coupé. Ouais. C'est rien. Let's go. Moi j'y suis allé en rampant là. Yes. Putain. Enfin sa mère. J'ai même envie de dire qu'on tombe pile là où il faut. Je te jure. Parce que regarde là. Ah ouais. Ouais, bon, il va falloir trouver le bivouac. Ça va? Pourquoi aller surfer à Miami quand tu nous appelles? Ça va? Ouais, nickel. Hein. Donc là, il y a potentiellement un spot de bivouac. De cet arbre-là à lui. Par contre, c'est pour la seconde personne. Ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Regardez.
la petite douche du soir ou quoi? Gros luxe, on a même du pâté de sanglier, mon gars. Ok, J2. Le campement est plié. On s'est réveillé à l'aube. On a pris le temps de bien ranger, prendre nos marques pour la journée. Là, l'idée c'est d'aller repérer un petit peu l'accès. Sur le principe, on va poser nos sacs pour pas se charger de 25 kg inutilement et voir où est-ce qu'on peut accéder. Et après, je pense que ça va être de la remontée de courant pour aller chercher la montagne de Caux que Rémi y cherche. De l'escalade. Ouais, ça va être sportif. Allez, J2, c'est parti. Yes. Tu t'accroches à la branche là-bas, en bout de pierre là. Là tu vois là-bas. Parce que là tu vas pas. Tant pis, hein. Petite pâte de fruits. Petit lion gentiment offert par Rémi. On en est où? Là, on arrive bientôt au sommet de la petite montagne, là. Après, du coup? Après, déjà on monte, on va se poser un peu. Et après, on va se faire
durant Lyon, durant bien presque 20 km. Ouais. Cool. Ok, je le vois gros comme une maison, il a trouvé quelque chose. Putain, Manu, incroyable. T'as vu ça? Parce que les crocs, ils sont bien nets. Hein. Tu me dis que si je vais tout droit là, j'arrive chez moi. Ouais. Bon, bah j'arrive. Je vais faire tout droit, j'arrive. En gros, regarde, on est. Il faudra vérifier par rapport au GPS là. Vas-y. Putain, on a fait une brère. Ouais, mais mon genou il a craqué vénère. Hein. Sérieux? Ah, j'ai pas eu ça. C'est le même, hein? Mmh. Oh, mais je te suis, gros. Je vais pas commencer à faire mon truc, hein. Ouais. Je m'appelle Rubelis Man. I do Rubelis. If you are with me, you can't get lost. If I'm not with you, then you're gonna be lost. Par respect pour cette planète, nous récupérons tous ces petits bouts de ruban. Ah, tu la mets sur une feuille, tu la vois pas. Hein. Bon, retour à notre petite tortue. Elle a bougé, gros. Bah, elle a pas vraiment bougé, mais il y a une grosse trace de griffe dessus, quoi. Non? On a fait un petit peu en forêt, franchement. C'était tellement dense, on a dû mettre du balisage pour pas se perdre. Ouais, on a voulu faire le fameux Orléans pour rejoindre la. Ouais, notre mais il y avait le point B. Il y avait montagne, plus de 800 mètres, plus de 800 mètres de Orléans. Ouais, c'est, même c'est, plus c'est, 800 ouais, mètres. C'est, ouais, je pense qu'il y avait un bon kilomètre, mais les distances en forêt amazonienne, c'est pas du tout la même chose. Et la densité de la forêt là, elle était. Ouais. C'est clair. Donc on revient un petit peu sur nos pas, on a trouvé un spot qui nous conviendrait bien pour le bivouac, parce que franchement le bivouac de hier dans la pente, c'était pas l'optimum. Donc là l'idée c'est d'aller poser un bon bivouac, de prendre le temps de faire des belles images aussi de l'installation du bivouac. Et Rémi va aller prendre sa douche dans la cascade Rémi. Elle m'attend. Voilà, elle attend. Donc là c'est ma caravane que je trimballe dans la forêt depuis 2 jours, bientôt 3 là. Quand elle est chargée, elle fait 25 kg. Mais elle est aussi chargée parce que bah, y a tout le matos, photos, vidéos, campements, bivouac, tout. Ok, donc là, hamac, petite pochette de rangement pour mes trucs de la nuit, tout ça, bref. Là, c'est mon petit hamac filet qui me permet de ranger. Tu vois, là, je vais laisser mon téléphone, ma serviette, ma frontale, mon truc de toilette, tout ça. Là c'est mes petites chaussures que j'ai fixées sur les petits piquets que j'ai plantés. Et voilà, je me sens bien chez moi. Chez monsieur Rémi, à quoi ça ressemble? Alors chez moi, déjà il aurait peut-être besoin de finir le déblayage ici. Ok. Bon, moi on a installé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Viens voir comme je suis vachement organisé quoi. Regarde ça. Non mais regarde l'organisation par rapport à toi. Pas besoin de la Mac filée. Puisqu'il y a le tout Mac, est rangé là-dedans. Alors j'ai une petite pochette quand même ici.
permet de ranger les bricoles. Ok. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? La bâche, elle est installée comme elle est installée. Ouais, ok. Et ta bouffe et tout, c'est où du coup? La bouffe, là, c'est dans le sac. Là. Ah oui, d'accord, t'as accroché ton... Là, j'ai accroché mon sac, j'ai tout mon... Ah, mais écoute, merci pour la visite. Avec plaisir. C'est l'heure de la douche. On y go. On y go. C'est pas déjà un serpent dans la botte, c'est... J'ai une grenouille dans la tête. J'ai rajouté du quoi vers toi. Et avant ça, fais avec de l'eau de pluie, s'il vous plaît. Je peux récupérer sur ma bâche là-bas. Santé. Début du jour 3, petit déjeuner, on est là. Alors, il raconte rien de la nuit. En vue, petit café pour nous réchauffer. Parce qu'on va pas se mentir, on a pris la flotte cette nuit. Il a plu vraiment toute la nuit, mais de la grosse pluie. Et moi j'ai mon hamac qui a pris la flotte. Ouais, c'était vraiment pas une nuit agréable. Donc là, on prend le temps de faire les choses. On se réveille doucement, le petit café il chauffe. Le petit gâteau, petite barre au chocolat. Et on est là. C'est l'aventure. Moi aussi j'ai pris la flotte. Hein, ouais, c'est vrai. J'ai la partie gauche de mon hamac qui a pris la flotte. Moi j'avais un duvet donc ça. J'ai limité la case. On tient au courant. Donc là on y va en mode plus light, on laisse le campement ici. Voilà, toi tu te mets bien. Moi j'avoue j'ai quand même le big boy, mais bon il y a du matos à porter, il n'y a pas de problème. C'est le risque du métier. Ouais, exact. Donc là on part en mode explo pour la journée, et l'idée c'est de revenir ce soir ici, redormir ici ce soir. Pour que J4 soit consacré au retour et s'approcher de la route. Et un J5 qui sera la fin de saison. Alright, let's go. C'est reparti. Bulldozer.
Chablis, ça n'arrête pas. Prends ton temps, mais va dans l'eau. Pas la ville, on va rester ici. Moi, Tarzan, lui, Jane. Jour 4, on a fini ce qu'on avait à faire. On rentre à la maison. On a réussi à avoir des beaux plans, franchement. Là, on vient de se faire des plans en drone à la Cascane, que vous avez sûrement déjà vu, hein. On verra dans l'ordre de la vidéo. Mais... En tout cas, maintenant, on place au rangement du campement. Après, c'est quoi la suite ? Rangement du campement, un petit bagage, et puis après, Tayo, itinéraire de retour. Ouais. En espérant que la madame aussi vienne nous chercher. Voilà. On a un rendez-vous donné route de co à 17h. Là, il doit être à peu près 9h30. Le temps de ranger puis de faire la route retour, ça devrait le faire. Let's go, on y va. Ok, on va faire comme si c'était la première fois que je la faisais. Non, en gros, ce que je disais, c'est que là, ouais, on doit être sur la dernière heure de notre exprès. On est en train de remonter vraiment tout le sentier qu'on a fait. On est passé beaucoup plus par la forêt qu'à l'aller.
Donc c'était plus engagé, mais plus de montées, ouais. Ouais, on a enchaîné beaucoup de montées, mais je pense qu'on a, je sais même pas si on a gagné du temps, mais en tout cas on a bien avancé aujourd'hui. Ouais, là on est en... à la recherche du lion qu'on avait emprunté au départ. Ouais. Et du coup il y a quelques éléments qu'on recherche là qui nous parlent. Mais en même temps, là par exemple, il y a des trucs qui nous mettent en difficulté. Voilà. La pluie qui fait qu'il y a des cours d'eau qui commencent à apparaître. Donc ça trempe un peu le. En l'espace des 3 jours d'expé qu'on a fait, il est tombé énormément de pluie. Et du coup, il y a des petits ruisseaux qui sont devenus vraiment des rivières en forêt. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais bon, on arrive à se repérer. Là, il y a le petit Chablis là qui nous a permis à tous les deux de se dire celui-là, on le connaît. Et voilà. On arrive quasiment à la fin. On prend le time, on profite. Et on va faire un petit retour à la civilisation. Hein. Ouais, groupe de cours bientôt. Clap de fin, on est arrivé. Tu débriefes un peu au début? Ouais, bien arrivé, route de co. Retour au point de départ. Franchement content. Ouais, très content. L'expédition a été menée avec succès. Même si l'objectif initial n'a pas forcément été atteint. Bon, on a fait des putains de belles découvertes. Ouais, et puis ça permet de se tester sur 3-4 jours déjà, ouais, en forêt. Déjà, ouais, sur une. Tester niveau d'XP, c'est pas mal. Tester différents milieux, du Léon, du hors-Léon, vraiment installation de bivouac. Riche en termes de situation. Ouais, exactement. Pas mal de situations différentes. On s'est retrouvé installer les bivouacs un peu en extrême le premier soir, en sachant qu'il y a la pluie qui arrive. Donc non, franchement, personnellement, très très bonne expérience. Hâte de voir la suite qui nous réserve, parce que je pense qu'on a... On n'a pas fini de découvrir la belle cascade. Il y a plein de belles choses à voir ici. Et Oslo. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On cherche à voir plus de faune. On a envie d'aller chercher de la faune aussi. Ouais. Donc, on reviendra. C'est sûr. Et en attendant, un petit peu plus le coin. En attendant, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Actuellement, elle n'est pas montée parce qu'on sort de la forêt. Mais au moment où vous regarderez ça, voilà, ce sera monté. Donc, on espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous suivre mutuellement, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et puis, lâchez un gros pouce, partagez avec tout le monde pour envoyer plein de force à la Guyane. C'est vraiment une super région. Et je pense qu'on a cassé pas mal de clichés là avec ce qu'on vient de faire. Ouais, carrément. Ok, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. À la prochaine.